Mes chers compatriotes, ce lundi 24 juin 2019, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a sorti un communiqué qui est très important à l'issue de leur analyse et examen de la situation politique qui prévaut dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce communiqué est d'une telle importance que je souhaiterais refaire moi aussi la relecture de ce communiqué à l'intention des compatriotes parce que ce communiqué nous est adressé. C'est pour ça que je vais devoir m'adresser à vous en lingala et faire cette analyse en lingala. Pour les alliés communiquer, ou les alliés quoi m'y adresser na biso ba congolais. Titre y a communiqué y a ba évêque tel que monsieur l'abbé Donatien Cholet, Atangi Ango, secrétaire général y a CENCO, a lobi libérer mon peuple. Na sepeli mingi tango na mona ki titre y a lobi enfin ici na kanisi to komi to bandi ko koma na ba évêque na biso na même diapason. Parce que le titre d'un message ezalaka ko résumé toute la pensée et toute la vision y a message ezopesam. Et quand le titre y a message ezali libérer mon peuple, je me suis dit on ne peut pas libérer un peuple qui est libre. Ce qui va sali message wana, cela veut dire que le peuple congolais n'est pas libre. C'est que le peuple congolais est sous domination, sous occupation. Donc officiellement, la CENCO reconnaît que le peuple congolais est aux alliés lelo, est ali liberté. Sinon, mais la lance qui message ou anatepe au travers, il y a message, il y a CENCO. Nous voyons comme tu peux analyser yango. Na sepeli na yango parce que ba confirmer ma kambo ebele mes messages wanande analyse na yango eze ko pesa mawamingi na analyse ya message yo boyenga na ze ko pesa simplement réaction na ngezali pona ko senga na ba évêque na biso ba sala ka pe ba uti ko sala wa analyse moko kitoko analyse exacte de la situation mais simplement ce qui est comique va tirer conclusion va comme une langue de bois ndenge baloba kana français va comme une flou va comme ko bomba makambo va comme ko sala hypocrisie pe la politique de l'autruche ya ko boya ko affronter le mal oyo bango moko baze ko relever yango te ezali na kati na communiquer oyo ba évêque ba bimisi ba intitulé yango libérer mon peuple. Chapitre ya liboso ba intitulé yango le peuple veut le changement. Na point 1. Ba évêque ba lobi boy. Les élections du 30 décembre 2018 ont suscité un espoir de changement dans le pays. Le peuple s'est exprimé pour une véritable rupture. Le peuple s'est exprimé pour une véritable rupture avec l'ancien système de gouvernance en vue d'avoir des dirigeants qui le mettraient au centre de leurs préoccupations. Et le communiqué continue, c'est dans cette perspective que le peuple a salué les premiers gestes du nouveau président de la République. Je m'arrête là pour montrer comment évêque va dire que beauté en touche. Ba évêque ba uti ko loba bango moko que le peuple s'est exprimé pour le changement. Mais au lieu que ba continuer maintenant la logique ba lobi, mais ce peuple maintenant a salué les premiers gestes du nouveau président. Est-ce que le nouveau président est celui du changement ou le peuple a luka ki oui ou non? Bisona ba évêque to répondre na question wana. Parce que c'est là et si ka omoni syllogisme ya ba évêque et c'est comme un sophisme, yango.
Quand on a dit Koloba, bah, on a dit philosophe, bah, yébi, alors on a dit Koloba. On a dit bien que peuple a s'exprimer pour le, la rupture, et du coup, on a Koloba, peuple, wana a salué, geste, et a premier président. On a dit, on a Félix Tshilombo. Est-ce que c'est lui pour qui le peuple s'est exprimé pour la rupture, oui ou non? Au moins, ici, qu'à, bah, erreur, et ça, koya, pis ici, bah, faute grave, et c'est koya, qu'au glisser, qu'au sauter, et si ka ba faute ya mine ne zali pe ko glisser pon na okende koloba makambo ye zangitina. Na point 2. Les évêques ont dit cependant, plus les jours passent, nous constatons que la situation n'évolue pas. Mais c'est tout à fait normal. Situation est évoluée, t'es parce que situation est changée, t'es. Est-ce que, à l'issue des élections, quand le peuple s'est exprimé, y a-t-il eu rupture? La réponse est non. Est-ce qu'il y a eu changement? La réponse est non. Parce que le changement que le peuple a exprimé, bah, confisqué, hein, go. Pe, bah, évêque, bah, yébi, ça qui biso changement, wana, bango, moko, bah, yébi, hein, go. Vous voyez? Au chapitre 2, les évêques parlent des situations préoccupantes. D'abord, sur le plan sociopolitique. Et sur le plan sociopolitique, au point 1, le communiqué des évêques dit ceci. Nous sommes plus que préoccupés par le temps pris pour les négociations en vue de la désignation des animateurs de certaines institutions. En l'occurrence, le bureau, le Sénat, le gouvernement. Cette manière d'agir dans le contexte de notre pays protège des porte des graves préjudices au bon fonctionnement de l'État. Voilà, et si ka ba évêque basé pour ça la faute à monen yango. Ba lobi que ba constaté que makambozo ko changer tes ko bon wanate et que changement est alité. Mais le problème est autosé nango avec ba évêque et Zalinini avec Félix, c'est que Félix Tshilombo n'a bino ba évêque bondimi fraude principe ya fraude ya corruption oye salemi à la base. Félix est le fruit de la corruption. L'arrivée de Félix à la présidence, c'est l'œuvre de mensonge, l'œuvre de la corruption, l'œuvre de la fraude. Bino bondimi l'œuvre wana, mais bolingi conséquence et à œuvre wana te. C'est ça qui est drôle. Bozali ba évêque, la Bible dit, on reconnaît le fruit par son arbre. L'arbre duquel vient le fruit, Félix Tshisekedi, c'est l'arbre de la fraude. Il est issu de l'œuvre de la fraude, l'œuvre du mensonge, l'œuvre du vol, il y a bulletin, paix à volonté, il y a peuple congolais. Et maintenant, vous voulez que de cet arbre-là, qui est mauvais, qui est la fraude, et bimabilo komoko ya bien. Mais vous allez, sali anzambe te ba évêque. Comment Jésus lui-même vous l'a dit, na arbre ezemabe, on reconnaît l'arbre. Nini, l'arbre, bah, eh, bah, quand on a fruit, n'a. Un arbre qui est mauvais ne produit que des fruits mauvais. Comment l'œuvre, oye salemi, na Tshilombo, oye salemi, na Kabila. Kabila, n'de motazali, architecte, y'a masse, oye tozé, n'a, na RDC. Pebino, bah, évêque, boyebi, yango. Boyebi que Kabila a yibi vote. Kabila a fraudé. Bino batubo kengele ki, ba vote wana boyebi sibiso, résultat ya boyebi wana bolobi, moto yo boye peuple a poni ye, ezali Martin Fayulu na 67%, plus de 67%. Félix Tshilombo, ba dokimo bope sibiso ezali 15% seulement. Boyebi yango. Maintenant boyebi que andimi fraude, andimi corruption. Bino batubo prometa ki peuple
que toko batte la bino pour que bo kende na ba élection toko kenge le po toko zara présent po ba yiba binote bo yebi ke ba yibi peuple et après bo zongi bo approuvé œuvre oyo ya mouibi oyo etiki Kabila na pouvoir et les lobos e ko zila que moto yo boye Kabila a juillet po abatte la pouvoir ya ba rwandais oyo ya mouibi boze ko zila que abimise la bino ba œuvre ya justice œuvre ya égalité œuvre ya bonté œuvre ya pureté. Mais comment est cela est-il possible, mes chers évêques? Sokinga nazé na katia erreur, boyebi singa ke nazé na katia erreur. C'est la même chose na cérémonie. Oye zara ki ko sale mana ba pasteur ya ba église de réveil na nini na stade. Bo zui bo komi texte. C'est une bonne chose. Bo kamati texte biblique. Bo komi yango bo kui bo ti na maboko ya Félix Tshisekedi. Po atanga yango. Comme chaku. Atangi yango pe na nini. Bukamati me texte yobino botangi seliye. Bande konangai ba pasteur. Chronique 7, 2 Chronique 7, verset 14. Alors, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, nzambe apesi quatre conditions. Si ce peuple-là s'humilie, 1, prie, 2, et recherche ma face, 3, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, 4, alors ngai nzambe, soki bo remplir les quatre conditions, bongo ngai nzambe na ko exaucer bino des cieux, na ko pardonner péché na bino, pe na ko guérir mboka na bino. Mais mes frères, les pasteurs, moto yo bino botie, botieri et texte wana ze kotanga. Quand il dit, à Joloba, si je m'humilie, est-ce qu'a mis humilié? Est-ce que ami détour à rechercher face, pour rechercher face dans Nzambe Zali, koluka kokende ko zwa ba vertu o ezepe nan Nzambe. Vertu, il y a vérité, vertu, il y a justice, vertu, il y a sincérité, biroko wana, moto yobino botindi e azay moibi. Boye bi yango. Na uti koloba ba bande konabino ya ba efek, ba kengeleki, pe ba moni, aibi peuple. Parce que ce qui est le makambo ya Nzambe, to lo bango avec des termes exacts. Félix est un voleur avec Kabila. Ils ont volé la victoire et la volonté du peuple. Pe motuana jokende ajotangabi, si je me détourne de ma mauvaise voie, et si je recherche ma face, ce qu'on recherche, chaque face a commis détourné. Mais ami détourné, a fandi, bozo kamata, biloko ya moibi, moibi a simbi pouvoir ya moibi, a kende kope sanzande alobi, maintenant, je vous donne ça. Et vous êtes en train d'applaudir, bande konangai, toti kako sakana nanzambe, parce que alobi ye moko na kati ya livre Esaïe. Alobi koye na kati ya parvi nangai ko ya koya ko souyete. Quand vous levez vos mains, je détourne de vous ma face parce que vos mains sont sales. Toseba chrétien, moi mon souci le premier, zali que comme chrétien, Félix a mis repentir et la repentance, ezali ko zwa eloko yo ibi ko kende ko zongi sayango. Ayebi que le pouvoir sur lequel il est assis, le siège sur lequel il est assis, c'est le vol, c'est le mensonge. Donc la première chose, oyo bino ba pasteur vos singaye ko singaye, olobi parce que Dieu dit, si vous vous humiliez, vous cherchez ma face et vous vous détournez de vos mauvaises voies, de ces mauvaises voies. Na yoki emoko alobi de ces mauvaises voies, t'as dit des mauvaises voies. Non, de vos mauvaises voies, Félix. Ceux qui ont mis détourné de vos mauvaises voies. Mauvaises voies, ils ont mouibi ou yoke po iba. Olobi nzambe, na kamati pouvoir ou na iba ki, na keko zongi sa. Parce que leko yobino boze na stade. Et leko bozo sa la cinéma wana. Le peuple était, des centaines de milliers de peuples étaient na Sainte-Thérèse.
bazali kole la pouvoir yobino boibi bobi bozo kendo bonzela nzambe na stade de nami na stade de martyr bozo bonzela nzambe mboka yo ni pouvoir ya moibi kuna bazole la pouvoir yobino boibi bokanisi nzambe yango azali nani oyo tozo sakana mes frères oyo je bozo sala comme maintenant vous le faites avec Dieu. Ouvrez les yeux, vous allez voir, Dieu va répondre. Ce que vous avez dit, Dieu va vous répondre. Beaucoup mon réponse est en Zambé lobby. Je ne prophétise pas, je ne maudis pas. Je parle de la parole parce que awaboué nazo répondre la parole de Dieu au ebozo sakana na yango. Na point 2, yaba évêque, nazo ngeli texte yaba évêque. Bolobi en outre le spectacle de la corruption éhontée lors des élections des gouverneurs et des sénateurs dans les provinces. Mes chers évêques, bosé comme un spectacle éhonté de la corruption, bolobi des gouverneurs, des sénateurs dans les provinces et alors la présidence. Que ce n'est pas une corruption éhontée. Pourquoi vous ôtez ça ici? Osomono, comment vous êtes en train de botter en touche, bozo kokakoloba vérité te. Mais ça a commencé au sommet. Pe bolobi na point 3, pire encore, l'institutionnalisation de la corruption dans les milieux éducatifs. Mais, mes chers évêques, bozo le la corruption dans les milieux éducatifs. Mais tant qu'on a réagi ça quand on a problème, on a loba ka un jour, on a lobi. Comment bana basé na kelasi bana biso basé na kelasi toko protéger bango contre la corruption, la fraude et le koyo mwana ya kelasi ayebi que chef de l'État na biso président de la République na biso a komi wana na moibi a komi wana na fraude. Mes chers évêques, commençons par la tête. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit « Quand la tête du poisson est pourrie, tout le corps est pourri. » Donc, la Bible parle, dit « Quand la tête est pourrie, tout le corps est pourri. » Donc, commençons par la tête. Pourquoi vous êtes maintenant pour éviter, quand vous parlez de la corruption, vous êtes quitté à Kanassé. Mais ça vient d'en haut. Si nous sommes pour purifier la corruption, commençons par purifier la corruption au sommet. Au coquille pour condamner conséquence était, ce qui au détruire cause était. Comment au coquille pour cotique à conséquence et à la tranquille, cause et à la tranquille, puis au lobby, on m'y attaquait simplement n'a pas effet. Et qu'aussi la tête, tant que la cause est intacte, et vous savez que la cause, c'est le sommet. La corruption a été installée au sommet parce que Félix Tshilombo est arrivé là par la corruption. Et vous, les évêques, vous le savez. Pourquoi vous l'acceptez et pourquoi vous ne le dénoncez pas? Voilà l'hypocrisie au Ezali Yamabe. Na point 4, Nabino, Bolobi même chose, Bosé, qu'on se plaindre que, élection locale, Ezeko Salemate, et vous avez dit, le peuple attend impatiemment et instamment ces élections. Et vous avez posé une question. Peut-on asseoir la démocratie dans les entités territoriales décentralisées par des acteurs nommés? Ah, mes seigneurs, ceux qui tokoki ko installé démocratie na ba entité territoriale par ba acteur nommé té. Alors comment vous acceptez que dans notre pays la démocratie soit installée par un président nommé? C'est ça. Ceux qui boboi que na niveau territorial ba responsable ba za la nommé té. Mais acceptez aussi et surtout que au sommet de l'État, que ce ne soit pas un individu qui désigne un président de la République contre la volonté de tout un peuple. Mais Seigneur, vous le savez, et nous le savons, et vos chrétiens le savent. Comment va vous la bino confiance, ce qui vous allez qu'au botaka en touche, parce que vous êtes au banga, koloba vérité. Sur le plan sécuritaire et humanitaire, mes seigneurs, vous avez fait une déclaration merveilleuse. Na point 1, il y a communiqué, il y a évêque,
Balobiboué. L'insécurité perdure dans le nord et le sud Kivu, ainsi que dans le Tanganyika. La violence connaît une recrudescence en Ituri. Nous ne comprenons pas que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, n'arrivent pas encore à neutraliser les groupes armés nationaux et étrangers, entre autres les ADF, les LRA et les FDLR, ainsi que les envahisseurs Mbororo qui prolifèrent, sèment la mort et la désolation, comme si l'État n'existe pas. J'ouvre une parenthèse pour dire, mes seigneurs, ne dites pas comme si l'État n'existe pas en République démocratique du Congo et l'armée n'existe pas. Nous avons une armée d'occupation. Nous n'avons pas une armée congolaise pour protéger l'intégrité du Congo et la sécurité des citoyens ou du peuple congolais. Et votre communiqué continue. Il est inacceptable que des groupes armés étrangers s'installent, s'entraînent et commettent des crimes en République démocratique du Congo, alors qu'ils n'attaquent pas dans leur pays d'origine contre lesquels ils sont censés se rebeller. Les populations ont le sentiment d'être abandonnées. Tout porte à croire que le plan de déstabilisation et de balkanisation du pays, orchestré de l'extérieur avec la complicité de nos compatriotes, se poursuit. Bravo! Bravo, mes seigneurs! Ici, c'est tout ce que la résistance continue à dire depuis le début, que nous sommes occupés, nous n'avons pas d'armée, que les étrangers opèrent chez nous, détruisent chez nous parce qu'ils ont un plan. Et c'est cela, ce constat que vous venez de faire. C'est une reconnaissance officielle de fait de l'occupation de la RDC que nous dénonçons nuit et jour. Et si nous voulons résoudre les autres problèmes, mes seigneurs, nous devons commencer par ce problème-là. Vous avez posé là, vous posez on a la base même, la problématique même et à occupation et à Congo. Problème, malheur, nuance, vous résumez, lui tout porte à croire, non, tout, c'est la réalité. Que le plan de déstabilisation et de balkanisation du pays qui a été orchestré de l'extérieur et Zariko se poursuivre. Et Motuo et Zariko poursuivre plan Wana, mes évêques, c'est Kabila qui incarne aujourd'hui dans notre pays ce système. Et Kabila vient aujourd'hui à cause et à pression au peuple, à Salakina, aide au Pébino Botiela qui peuple, pression et comment qui tellement fort, que Kabila a coca qu'il sous-co jonglete pour ami maintenir publiquement et officiellement aye kokamata Félix Tshilombo, moana yamboka, a corrompre yé avec Bandeko Moussous, binomoko le koagolobi, avec l'aide de certains compatriotes. Félix est parmi ces compatriotes-là, où bango ba zui pour ba mi protéger Azala comme Ekeko pour que ba kokako continue. Alors, c'est pour ça que Nalobi, mes chers évêques, tout tirer de ma conclusion réelle, il y a constat au Yobino Bossali. Parce que le Kolandenge Bolobi, nous déplorons et condamnons les attaques répétées. Oui, bah, c'est que ça, la nanine na Ebola, nanine na ba région, ou ananion, sauf que bah, c'est qu'on attaque ba centre Ebola, et c'est qu'au tal, il s'est que batouana, bah, c'est un plan, y'a qu'on exterminer le peuple congolais, pour n'a qu'on diminuer démographie na yé. C'est pour cette raison que, nini ndenge loko la bobino moko boze, bosali constat wana, et zali que to koka, ko ça la ba demi mesure te. Bolobi yango bino moko tango boye ko sala constat au etali makambo ya justice. Bolobi que on ne construit pas une nation sur la corruption, le mensonge et la tricherie. Bravo! Mes seigneurs, les évêques,
Mais tirons alors les conclusions. C'est ce que j'ai dit au début. Makamona ote kolobelabino na introduction nanga yangoana. On ne peut pas construire Félix, la coalition Félix Tshilombo et Hippolyte Kanembe alias Joseph Kabila, coalition wana mariage wana ezali mariage et à corruption. Bino boye bien. Ezali à mensonge. Bino boye bipo. Bino batu boye bisi peuple vérité sur la véritable volonté à peuple qui était Fayulu 67%. Tshilombo 15%. Boye bien. Alors maintenant, bolingi bo construire. Bozoa vérité, bozo ko attendre que Félix aille la bino vérité, Félix a sara ceci sur base et anine. A koki ko sa la tête. Et c'est cette antinomie que n'a jeu pour retrouver en haut, n'a kati yaba recommandation, o bino bo saleli président de la République, o bozo bengaye président de la République, bolobini, na point 1. Bozo ko recommander na président de la République, d'assumer pleinement les responsabilités de chef de l'État. Aujourd'hui, on est sika bozo ko manakati ya potopoto. Bolobi bien que on ne peut pas construire une nation sur base et à mensonge, ya fraude pe ya tricherie. Or Félix est le produit de la tricherie. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Bolobi bozo zila que na point 2, bolobi vous attendez du président de la République de changer le système de gouvernance en instaurant un véritable état de droit à même de rendre notre pays fort et prospère. Vous avez la contradiction. Comment Félix peut-il faire ce que vous, Bino Bozo Tounaye, alors qu'il est le produit de ce système incarné par Kabila? Alors, Bozo Tounaye, que Azala Moto, à partir, il y a système, il y a fraude, il y a mensonge. Il est maintenant à instaurer système où il y a état de droit et à gouvernance. Ça ne se marie pas. Bolobi que président de la République à mettre armé dans les conditions qui lui permettent de répondre efficacement à sa mission de défendre et de sauvegarder l'unité et l'intégrité du territoire national. Mes évêques. Mais de quelle armée nous parlons? Parce que ndenge moko bino moko bo constater en goli kolokuna na ba point bo développer tozali na armée té. Armée oyo bo même bakisa ba ONU, bakisa ba tonyo soto oyo ba yé et lo komo ko ezo changé té. Et Félix étant l'émanation de ce système là où nous n'avons pas d'armée, nous avons une armée étrangère. Yé akosa la yango comment? Parce que il s'est mis à la disposition des étrangers. Peboti na point 4 bolobi bozo kozila na président de la République a redoré le blason de la magistrature, particulièrement celui de la Cour constitutionnelle, de façon que le peuple ait confiance en la justice. Mais mes seigneurs, boyebi bien que bato yo boye et institution oyeye ko aidé nini Kabila pour que ba confirmer fraude. Solibanda communauté internationale bami basé du colonani na cour constitutionnelle oyo Kabila a ti sur place assis à place qui en haut a changé batou a tignoso pour que a préparé ce qui est arrivé aujourd'hui. Et Félix est le produit ya cour constitutionnelle wana bolobi yenda kende ko changer en haut pote justice pe fraude justice ya na mboka pe fraude ici là mais ezay ko tenir debout boze ko senge na parlement bolobi que parlement a mettre réellement au service et à peuple qui a opté pour le changement. Mais mes chers évêques, mais que peut faire ce parlement qui est à 90% nommé et est constitué à 90% naba pantin oyo nani Kabila a nommé pour akoka ko sala justement maebino boze ko banga. C'est pour cette raison que lorsqu'on a l'obaki, vous avez laissé l'arbre s'implanter
Et vous croyez que bon soyez des bas fruits et comme ma bé boloni jeté ou ma bé baloni bobite bas copicolan jeté ou anate metto mes kakoto prier nzambe à ça la miracle jeté ou ma bé et bimisambouma ya malam yé mon konzambe à l'obin abino ken jeté ya ma bé et ko bimise la bino kakambouma ya ma bé ou ya malam et ko bimisambouma ya malam bon binon de bozo zira que jeté ya ma bé ou yo bino bo aide pe bon dimi ke tu kanambo kanabiso et ko changer bimise la bison bouma ya malam. Et tout cela continue pour n'abaw monsieur Sinyoso. Abino bosengi maintenant na peuple congolais. Bolobi ban oyo bino bosengi na peuple congolais. Bolobi que peuple congolais a s'unir, a s'assumer, a assumer destin naïe et a réaliser le changement. Que combat oyezé combat ya bango biso banso. Vous avez demandé que le peuple ne laisse pas une minorité prendre en otage notre patrie et notre avenir. Vous avez nos contradictions. Vous avez dit bien que parlement, et à la parlement, et à la sénat, bateau basé, kuna babi basé majoritaire, basé plutôt une minorité. Alors, mes seigneurs, la solution reste quoi? La solution est unique. C'est que ces institutions sont uniques. Demandant au peuple de rejeter les institutions iniques issues de la fraude, du mensonge et du vol. C'est ça la vérité. Ponanine, boze ko banga nani, boze ko banga bato plus que nzambe. Bozali basali ya nzambe, pe ba pate ya nzambe, ba pate ya nzambe ou ba pe sibino, baze ko meme bango nanzela ya mensonge, nanzela ya vol pe na fraude. Ponanini boko banga avec des demi-mesures, avec des demi-mots, ponakoluka koloba vérité. Na conclusion nabino bolobi boye. Personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Marc 2, chapitre 22, ndenge bo cité. Que Dieu vous bénisse. Et bolobi, la crise de notre pays est avant tout éthique. Donc, bolobi bino moko bien, bo bengini du lobananzambe bolobi bakamataka vino ya sika kukene kotia yango na kati ya nini molangi oyo ya kala esi e gagi e jui ba fante te. Ba jwaka yango te parce que noki e ko pasuka. Mais, mes chers évêques, les vieilles outres, est-ce qu'elles ont changé? Avant le 24 et après le 24, est-ce que bah outre oyo et osé nango na Congo oyo bah kamati pouvoir bati na kati est changé? Les vieilles outres bah bengisi kaka Félix moi na mboka balobi yaka oya ko bamba moi malusu ezalia wa bongo osali sabiso. Ce sont toujours les vieilles outres qui sont là. Les nouvelles outre au peuple à l'oba qui a sala na yango changement avec 67% bino ba évêque boyebi yango. Mais pona nini boko tozo tambola na demi mesure. Bote ya peuple peut bo appliquer malodi loba na nzambe jusqu'au bout. Parce que les vieilles outre ne peuvent pas recevoir le vin nouveau que le peuple a fait sortir s'appelle Fayulu, eh bien, alors, prenez le vin nouveau, mettez ça dans les nouvelles outres, les vieilles outres, oye kamati bato, et corrompre bato, pona koya ko bamba bamba, et ko tikala toujours les vieilles outres, po, soko tali, ou poussé, même texte nabino plus loin, et l'obino abiba kamataka, et lamba ya sika, okende ko bamba angone lamba ya kalate. Et zé na kati ya Bible, soko poussé kaka na Matthieu 22, boko zwa yango na kati. Baka mataka elamba ya sika, okende kubamba angu na elamba ya karate. Ozui soko zui morso elamba ya sika, oke kubamba na elamba ya karate kupasuka. Félix a zo kwa mwa kare elamba ya sika, bake kubamba angu na elamba ya karate kupasuka, mes évêques, boyebi yango. Talatina, na ye simplement pona loba, mes évêques, vous connaissez la vérité. Vous avez confessé la vérité ici. Bolobi, analyse nabino ezali parfaite. Et je ne trouve rien à redire dedans, mais seulement votre conclusion.
tant que vous avez accepté le mal du départ, ce mal du départ qui s'appelle coalition démoniaque, il y a mensonge, il y a vol, il y a fraude, oui, ça l'est mis entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Tant que Bino, bah, évêque, Bolobina, peuple, Likambote, Bondi Mayango, quand on accepte le mal, eh bien, comme on dit, quand le vin est tiré, il faut le boire. Alors, vous avez accepté le mal, mais maintenant, vous avez fait semblant, et pas une peuple que, un autre ligne conséquence et un mal ou un athée. Ça ne va pas. Amenant le peuple à rejeter, n'a singibino, bah, évêque, tout trempe, tout beau franchir, pas ouana. To franchir pas ou anapona koloba, bozoa courage devant Dieu que vous servez pour dire à Félix, ce pays, on ne le bâtira pas sur le mensonge, sur la fraude, comme vous l'avez dit, cette nation, pour que Dieu l'accepte comme nos frères qui l'ont fait au stade, il faut que nous partions sur des bases saines, des bases de la valeur biblique, des valeurs de Dieu, valeurs de vérité, valeurs d'intégrité, valeur d'amour, valeur de pardon, valeur de repentance. Oui, il dit que le bâcœur, je sors, je laisse le mal et je reviens vers le bien. Ce qui naïba qui, n'a qu'un de zongisa et loko naïbi, penaïa pour m'y confesser devant Dieu. J'espère vraiment, mes évêques, que nous rentrerons dans cette dimension-là. Même si vous n'y entrez pas, le Dieu que vous servez, le Dieu qui est en haut, que vous avez évoqué au stade, avec les pasteurs, sachez qu'on ne l'invoque pas en vain. Parce qu'à l'oba qui vous répondrait même des vaines paroles que vous avez prononcées. Le cinéma que vous avez fait au stade, Dieu va répondre à ce cinéma. Pour sa gloire et pour son honneur. Parce que Mbo Kanabiso et Kozala jamais construit sur le mensonge, sur le vol, sur la fraude, tokenekaka de fraude, de mensonge en mensonge, d'occultisme en occultisme, non. Mais c'est le jour où réellement Togotel et Mepetolobi, non, que Dieu changera ce pays. Que Dieu bénisse le Congo. Merci.